RTL, 11h-12h30, à la bonne heure, Stéphane Bern. Régis Maillot. Bonjour Régis, on va jouer avec le public, c'est oui, ça? Oui, on va jouer, nous sommes le lundi, hein, c'est 31 octobre, une journée de deuil pour les citrouilles hein, quand même. Et comme cours, bah oui, ça arrive, hein, pensons à tous ces citrouilles. Ouais. Et tous les lundis dans À la bonne heure, vous le savez Roberto, on a le droit à ça. Le jeu. Ça donne envie, hein. Merci bien. Le jeu. Roberto, votre mission, si vous l'acceptez, est de faire gagner une personne du public. Alors, qui veut jouer avec Roberto? Oh, bah. Il y a un monsieur qui a levé la main là-bas. Il y en a un monsieur. Monsieur à lunettes, là, Régis. Là, trois. Madame, on va prendre la dame là-bas. Venez avec nous. Bonjour, madame. On peut peut-être remettre le jingle du coup, hein, ça va rythmer. Alors, on va gagner au choix un merveilleux disque de Roberto. Bon, ou, je vous le donne ça. Hein, ou une nuit d'amour avec Stéphane Bern. Non, le disque. Qu'est-ce qu'il dit? Ça dure plus longtemps. Bonjour, le disque. Madame. Bonjour. Vous appelez comment? Dalila. Dalila, dommage. Samson et Dalila. On est dans l'opéra là quand même. Voilà, c'est ça. Bah, Régis n'a aucune référence. Mais si, mais c'est très belle coiffure pour Dalila. Ah oh, non. Alors, vous confondez avec Dalida. Oui, je parle Samson et Dalila. J'ai bien compris, c'est pour ça que j'ai parlé de coiffure. Mais oui, voilà. Les cheveux de Samson. Voilà. Alors, est-ce que vous préférez gagner un disque de Roberto ou une nuit d'amour avec Stéphane Bern? Le disque, ça dure plus longtemps. Le disque, évidemment. Ça dure plus longtemps. Il est insomniaque. Mais j'adore Stéphane Bern. Mais c'est gentil, madame. Bon, on aura peut-être les deux. Alors. D'abord, vous ne pouvez offrir que ce que vous avez. Or, vous possédez mais que le disque. Mais c'est un disque qui fonctionne bien pendant les nuits d'amour. Ah, oui, oui. En même temps, alors, ça on joue. Allez. Allez, c'est parti. Première question. Roberto, faut être au taquet. Quel est le nom donné à la loi, c'est des questions d'actualité, hein, à la loi islamique remis au goût du jour par les Libyens au lendemain de la mort de Kadhafi? La charia? Non mais... Ah, on va attendre des réponses. Hein. Voilà. On se calme, Dalila. Hein. Oui, voilà. Mais je suis très calme. Voilà. Je veux jouer. Et laissez Roberto répondre, s'il vous plaît. Hein. La Macarena, réponse 1. La Lambada, réponse 2. La charia, réponse 3. Roberto, c'est à vous de répondre. Bah, je sais plus maintenant, je suis dans le vague là. Elle a répondu, madame. Elle a répondu, la charia. Bravo. La charia. Attention, si vous répondez avant, c'est éliminatoire. Oh, c'est éliminatoire. Je peux partir. Soyez gentil avec le public, s'il vous plaît. Quel parti a remporté les élections en Tunisie la semaine dernière? La charia. Le parti de Fouta Burka, Ennahda ou Coupe-moi un bras? Qui répond, moi? C'est vous. Ennahda. Ennahda, voilà. Excellente réponse. Ennahda. Elle va avoir le disque dédicacé, je le sens. Elle va avoir surtout c'est vrai qu'en espagnol, ça veut dire rien. Ennahda. Ennahda. Ennahda, c'est rien. Rien. Ouais, c'est vrai. Alors j'aurais rien. Quelle partie du monde a été assaillie la semaine dernière par une forte montée des eaux? La clinique de la muette? C'est peut-être chez moi après la douche. Ouais. Oh, c'est vache. Oui, vous riez de ces bêtises, madame, je sais. La ville de Bangkok ou la salle de bain de Roberto Alavia? C'est la salle de bain, c'est vrai. Bangkok. La ville de Bangkok, ouais. Parfait. Bonne réponse. Bravo. Une dame qui suit l'actualité. On va parler gastronomie, si vous voulez bien, d'ailleurs. Ouais. La soupe de champagne. Ah oui, non, ça serait bien, ça. Parmi ces quatre spécialités culinaires, laquelle ne fait pas partie des plats préférés des Françaises? La moule frite, le couscous, la tarte au poil. C'est les questions, je sais. Le magret de canard. Le plat préféré des Français? Laquelle ne fait pas partie? Ne fait pas partie? Oui. Ah, vous avez voulu répondre, madame. Allez-y. La tarte au poil. Vous pouvez me le redire? La tarte au poil. C'est bien la tarte au poil. Qui mais n'est pas référencée comme plat de résistance, mais comme dessert. Enfin, tout au moins pour ceux qui apprécient le sucré salé. Alors. Mais Régis. On va passer à la dernière question, hein, qui est très importante. C'est le moment tant attendu, la question Mireille Mathieu. Bonjour Mireille. Bonjour, mais je pense que c'était mieux si Liane le faisait. Bah oui, oui, bonjour. Stéphane, c'est quand même mon frère. Ce sont les parties soulignées. Bonjour Mireille. Bonjour Monsieur Maillot, bonjour le public, et surtout un grand bonjour à vous Monsieur Ragnagna.
Alania, Alania. C'est bientôt à la fin du mois. Pardon, pardon. Monsieur Banania, j'ai toujours eu du mal, du nom avec les, du mal avec les noms de marque. Ah, ça doit être ça, la banane. On vous écoute, Marie. On vous écoute, Mireille, s'il vous plaît. On vous écoute. Merci. Tout d'abord, je tiens à dire que je vous adore, Roberto, mais moi aussi, je fais de l'opéra. Ah bon? Oui, la preuve, quand je chante, je ne comprends pas mes paroles. Ah oui. C'est pas plus mal, Mireille, c'est pas plus mal. Moi-même, j'ai voulu me lancer dans une carrière de ténor. Ah. J'avais moi-même un surnom inspiré de vous, Roberta à l'oignon. On va passer à la question, Mireille, s'il vous plaît. Hein. Alors, question culture, ça tombe bien, c'est ma spécialité. L'opéra, la Traviata, a été écrit par Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Carla Bruni Sarkozy. On attend votre réponse, Roberto. Ah, moi, j'en sais rien. C'est madame, il faut demander ah, à madame. Ben, attends, la Traviata, c'était... Allez, elle, c'est qui? Giuseppe Verdi. Verdi, Verdi. Ah, bravo. C'est la bonne réponse. Bravo. Merci, Mireille. Merci beaucoup, Régis. Dalila, vous gagnez ce CD Passion de Roberto Alagna. Super. Dédicacé par Roberto. Voilà, d'accord. En direct. Merci beaucoup. Il le fait.